Je suis plus en train de regarder la police là-bas, donc du coup avec le téléphone et puis le fait de faire une vidéo. Ah ben ils sont en train de partir, c'est génial. Ils sont en train de partir. Salut, salut. Du coup, on passe du côté de Leroy Merlin pour acheter un petit peu de colle. Tout à l'heure, je vais fixer l'évier. Alors, restez connectés et surtout, ben, on va faire une petite balade avec vous et pouvoir vous expliquer un peu comment, qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit en ce moment. Let's go, c'est parti. Bon, alors du coup, alors on fait un peu le point parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Et en fait, en ce moment, comme je l'avais un peu dit sur la dernière vidéo, on est un peu en mode aller bosser. Donc, on est en plein travail et du coup, on a beaucoup moins de temps pour pouvoir faire des vidéos, des choses comme ça. Donc on se consacre plus à, malheureusement, le travail. Et le temps, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est important. De la société, en fait, dans laquelle on travaille assez souvent, on passe la majorité de notre temps à travailler. Du coup, on a très peu de facilité pour pouvoir vaquer à nos occupations, faire des choses qui nous tiennent à cœur. Surtout voyager d'ailleurs. Et on se retrouve un peu dans le métro boulot dodo. Et malheureusement, on n'a pas cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut comme on le veut. Donc on subit un peu le système, quoi. Pour le moment, on voyage pas. Et on essaye de profiter autrement. Pour ma part, ça me gêne un peu de ne pas pouvoir voyager, mais ça me permet aussi de pouvoir voir autre chose et tout ce que j'avais mis en attente pour pouvoir progresser ou améliorer. Donc là, on a un peu plus d'aisance aussi pour pouvoir aussi planifier nos projets futurs et puis pouvoir mettre en place toutes ces choses en fait qui vont arriver petit à petit dans notre vie. Alors effectivement, la chaîne n'est pas finie, elle n'est pas morte, ne croyez pas ça. Elle est toujours là. Simplement, c'est que là, après ce dernier confinement, donc on a un peu dû réduire les déplacements. Et puis voilà, donc on s'est lancé plus ou moins dans une recherche de travail. Et donc, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir être disponible pour vous, pour vous faire voyager avec nous, pour nous aussi, pour nous apaiser au niveau du voyage, parce que ça apaise énormément de pouvoir bouger. Et malheureusement, comme vous ne pouvez pas en profiter, eh ben vous dites bien que on n'en profite pas non plus. Donc l'idéal, il recommence à faire beau. Je pense que vous voyez un peu le temps comme il est à travers les vitres de la voiture. Et du coup, là justement, cette vidéo là, on l'a fait en même temps parce qu'on a aussi un ras-le-bol concernant le fait d'être pas enfermé, puisque on n'est pas en période de confinement, mais on n'a pas cette aisance pour pouvoir jouir de notre liberté, quoi. Donc vous en doutez bien. Alors lorsqu'on travaille, c'est un peu comme ça le principe.
On se lève très tôt le matin et d'ailleurs, on s'entraîne de partir petit à petit. Mais on se lève très tôt le matin et il fait encore nuit. On rentre chez nous, il fait encore nuit. Et ça, c'est un peu une problématique. Bon, je parle avec vous, mais je suis plus en train de regarder la police là-bas. Donc, du coup, avec le téléphone et puis le fait de faire une vidéo. Ah ben, ils sont en train de partir, c'est génial. Ils sont en train de partir. Mais le fait qu'on est en train de faire une vidéo, c'est pas tip top, quoi. Bon, on les connaît bien, quoi. Ils aiment bien arrêter les gens. Là, on n'est pas dans le fourgon en ce moment même, donc nous sommes dans une voiture. On vit pas forcément dans le fourgon en ce moment non plus. Et ça fait un peu toute la différence. Ouais, ça fait un peu toute la différence et justement, c'est des situations où est-ce qu'on aurait bien aimé justement pouvoir vivre un peu sur les routes. Bon là bien sûr on est en région parisienne, là c'est la cité et compagnie, hein. Mais on aurait bien aimé être sur les routes, pouvoir faire découvrir un peu des moments de nature. Alors c'est pas qu'on en a pas ici, bien sûr on en a, mais c'est un peu plus compliqué. Parce que bon bah on veut aller à la mer, on va à la mer carrément, on va aller à la forêt, on va dans une grande forêt. Alors que là, bon ben bah, voilà, entre le travail et tout, donc c'est un peu compliqué pour pouvoir faire les choses comme on le souhaite. Donc on fait au mieux. Et du coup c'est pas très évident. Alors, vous connaissez le métro boulot dodo. Pas du tout évident de pouvoir s'épanouir comme ça. Bon bah il y a beaucoup de choses qui changent, hein. Ça fait un moment que non, ça fait un moment qu'on justement voilà, on dit on pensait qu'il fallait tourner là, mais non, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas passé par ces chemins là. Et effectivement, je viens de rouler sur une piste cyclable. Parce qu'ils font des pistes cyclables à tout va. Et donc, je viens d'emprunter une piste cyclable. Heureusement qu'il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de police. Mais voilà. Donc, tout change, surtout en région parisienne. Le Grand Paris est en train de se faire. Et du coup, il y a beaucoup de changements. Et voilà. Il y a des endroits où est-ce qu'il vaudrait mieux pas rouler. Ferme un peu parce qu'on risque de pas entendre. Et donc voilà. Donc du coup, tout droit. T'as mis un feu. Ah bon? Oui. Donc, le moment j'ai besoin. Bah il y a les voitures qui sont arrêtées derrière le feu, les feux rouges. Ah juste avant là? Ouais. Les gars viennent passer aussi. Il est passé. Bon, ben j'ai grillé un feu. Oh là là, voilà. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, mais bon. Ça arrive. En plus, il y avait la police hein, derrière. Ils vont mais bon. Ouais. Franchement, je n'avais pas vu le feu. Bon, ben ça arrive, hein. C'est ça. Hein. Quand on conduit et qu'on est en train de parler à la caméra. Jamais évident, surtout quand toutes les routes ont changé, tout a changé. Donc, bien sûr, alors comme vous le savez, ça fait bientôt 2 ans que nous avons le fourgon, et du coup là nous allons à l'endroit où est-ce que nous habitions auparavant, et du coup c'est vrai que il y a beaucoup de changements, mais on s'y fait, hein. Donc mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on vous a manqué déjà? Ouais, ce serait bien. À savoir si on vous a manqué. À savoir si vous voulez voir des nouvelles vidéos sur différents thèmes.
si voilà, si vous voulez voir des vidéos sous différents thèmes. Bon, on a un peu parlé de manger la dernière fois, donc on a cuisiné et tout. Et voilà, c'était plutôt pas mal. Bon, c'était surtout bon. Et donc du coup là, il y a d'autres aspects qui seraient à développer. Alors bien sûr, on a parlé bon, rapidement du travail. Et il y a un podcast là-dessus. D'ailleurs, que j'avais enregistré lorsque je travaillais justement l'année dernière, l'hiver dernier. Et donc, ouais, qui concerne le travail. Le travail, c'est la santé, c'est pas forcément vrai. Et je vous invite justement à regarder là ou là. Et où est-ce que vous pourrez justement voir cette vidéo, où est-ce qu'on parle de du travail. Il y a des conceptions différentes du travail. Quand on travaille pour soi, forcément, c'est pas la même chose que si on travaille pour quelqu'un d'autre. Alors vous me direz que tout le monde ne peut pas être indépendant. Oui, tout le monde ne peut pas être indépendant, certes. Mais tout le monde a au moins, chaque personne a au moins une passion en lui, quelque chose qui le fait vibrer. Et c'est plutôt cette chose-là que chacun devrait faire au lieu de, bien sûr, il y a le travail alimentaire. C'est pas pour rien que nous travaillons actuellement aussi. Mais il y a des priorités. Parce qu'on sait que travailler pour quelqu'un, c'est aussi allouer son temps à la société de la personne et non à soi, non à ce qui vibre en nous. Donc ce qui est important vraiment, c'est aussi de pouvoir nous épanouir dans la vie et ne pas aller travailler H24 pour des sociétés auxquelles qui s'enrichissent entre guillemets sur notre dos. Puisque bon, ben, beaucoup d'entre vous le savent déjà, pour une société par exemple qui vous paye à peu près 1 500 euros, elle doit gagner au moins 3 000 déjà grâce à votre présence, grâce à votre travail entre autres. Ah oui, et là il est à peu près 12h30. 40. On a rendez-vous à 14h, donc qu'est-ce qu'on va faire entre temps? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire entre temps? Eh ben, il y a le parc. On peut se balader au parc. Bon, on se retrouve au parc alors. Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boy.
J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À bientôt !